Bonjour, je vous souhaite à tous la bienvenue. Nous sommes le 14 décembre. Bon, ben finalement, la dernière saison vient de prendre fin. Puis, comme Boson, on va savoir les résultats aujourd'hui. J'espère qu'on a conservé notre avance de 4% et qu'on réussit à l'emporter à l'arraché comme que je le prédisais, ou sinon une domination de pitch. Mais ça, domination de pitch, il fallait qu'il qui a plusieurs jours consécutifs auxquels il dominait l'équipe. En ce qui concerne mon classement hebdomadaire, eh bien, je n'ai pas été dépassé. Après mon score, ben, j'ai décidé d'améliorer mon niveau du joueur. Bon, je suis parvenu à me rendre jusqu'au niveau 285, 17 minutes avant la fin. Avant la fin de la saison. J'espère que le 13 000 de gains de pièces à jetons, de pièces à jetons que j'ai accumulé hier, on réservait quelque chose. Oui, 13 000 de gains, c'est beaucoup parce que j'ai augmenté de 3 niveaux. Hier, avec les courses de Ville Amsterdam, Riverside Park, puis Montagne d'Éca. J'ai fini toutes ces courses-là, mais il y avait Ville Amsterdam 3A que j'avais oublié, puis il me manquait 3,5% hier, après que j'avais fini Jardin Peach A. Bon, ben voilà, ça va arriver. La saison des fêtes arrive. Avec Larry qui arrive en alternatif. Probablement qui peut être nommé Larry Hivernal. Bon, on va savoir les résultats. Avant celui-là, le classement de rallye en équipe est disponible. On va voir qui a gagné. Est-ce que c'est Pige ou bien c'est Buzz? On va aller voir ça. Ah, cette fois-ci, c'est Pige qui a gagné. OK. Bon, ben, chacun son tour, les équipes ont gagné. Bon, ben, j'ai quand même les deux badges de buzzer. Celui pour la deuxième place, celui de la première. Bon, ben, dans le fond, ma série de victoires consécutives dans un rallye en équipe est de 3. Dans le fond, c'est 3 victoires, 2 défaites. Pour le moment, depuis la dernière année que j'ai joué. On va débuter une nouvelle saison. Okay. Ah, en plus de ça, on va recevoir Peach Rose Doré pour finir la carte. C'est pas pire, ça. Ça veut dire qu'elle va augmenter à 4,5 pour moi. C'est bon. On va voir les défis par après. Oups, j'ai écrit par accident. Excusez-moi, j'ai écrit là par accident. Bon, on va aller voir ça après ça, les récompenses. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, ben, j'ai fini premier. Donc, les résultats n'ont pas changé. Puis, j'ai gagné 1000 points hier en voyant que mon adversaire s'est amélioré de 1000 points aussi. Bon, Snakecart niveau 2. Et aussi le Mascasse bleu. Tous les deux maxés à 400, le Snakecart noir. Et Mascasse bleu à 675. Voilà. Qu'est-ce que je reçois cette fois-ci? Est-ce que ça va être d'un autre personnage? Non. Ah ben tiens, c'est Bido Tsubura. Salut, bonjour. Et niveau 3. Deux circuits de débloquer. Valet des SIA. Oh, Toulon Royal SIA. Oh. Ben, il était parmi les courses la saison dernière, ok. Bon, pas de top 1000, c'est pas grave, là. C'est pas grave, peut-être qu'à un moment donné, je vais peut-être réussir à un moment donné, mais il faudrait... pour ça que j'améliore d'autres personnages, comme par exemple, pour le Riverside Park, si je me souviens bien, c'était SIA. J'avais juste du level 1, puis le meilleur que j'avais, c'était c'était le Tunumi jaune que j'avais acheté dans la boutique. Fait que c'est pas que j'achète celui du Père Noël, vu que c'est la toussette qu'il a. Mais on verra qu'est-ce que Larry va avoir. Ça va dépendre de
de qu'est-ce que Larry va avoir parce que genre quand même ça va ça va dépendre aussi de qu'est-ce que je vais avoir de besoin. Comme vous voyez, 122 115. Je peux venir me rendre à 35 000, presque à 36 000. J'ai eu encore une fois deux frénésies de banane géante, mais j'ai eu un peu plus de combos. J'ai fait un full combo de 140. Ce qui m'a donné ce score-là, 35 168. Et pour Bay, lui, qu'est-ce qui arrive avec lui? Quand même, il a fait des très bons scores ici. Comme que vous voyez, il a presque fait l'équivalent de ce que j'avais fait dans Jardin depuis chez SIA. Moi, j'ai fait ça avec niveau 7, 3, 4, 4. Et lui, il a fait ça avec Bourgeois Chat, presque la même équivalence, mais niveau 7, 4, 6. Oh, attention, c'est quand même. Imaginez-vous donc quand même, Seigneur. Imaginez-vous donc, t'sais, Seigneur, moi, avec un kart de niveau 3 puis un net de niveau 6, je suis parvenu à faire un petit peu mieux que quelqu'un qui ferait un score équivalent avec un niveau 7, 4, 6. Puis, Caro 85, lui, il a fait un 196 combos. Moi, j'en ai fait 197. Mais lui, ce qui est différent avec moi, c'est parce qu'il avait étudié Bourgeois Chat au niveau 7. Un cas de niveau 6, puis une aide de niveau 4. Fait que ça a donné comme 51 000 à peu près. C'est normal que ça fasse un meilleur score que le mien. Mais quand même, 45 000 avec la plante Flora Piranha, c'est quand même très bon. Puis il n'y a personne qui a atteint le cap des 30 000 à part moi dans le Virgin Tsunami 3 ICA. C'est ça qui a fait la plus grosse. C'est ça qui a fait la grosse différence. C'est mes améliorations que j'avais faites lors de la deuxième semaine. Puis j'ai pas eu besoin de grandement améliorer quoi que ce soit la semaine dernière. Tout ce que j'ai amélioré la semaine dernière, c'est. Je veux dire, lors de la première semaine de la saison de Peach Con Buzzer, c'était la plante Flora que j'ai amenée jusqu'au niveau 7. À part ça, je crois pas avoir amélioré grand-chose, à part peut-être le kart Rapace Flamboyant jusqu'au niveau 4. La prochaine, ben, j'avais suffisamment d'étiquettes ultra de capacité de kart pour amener au niveau 6 le Rapace Rapide. C'est pas la troisième course. J'ai décidé de garder le Memeu au niveau 3, mais en le mettant à 595 à point de base. J'en ai eu aussi juste assez pour le rapace rapide. Mais j'en ai pas eu assez pour mon aile pas de chauvage que j'allais améliorer jusqu'au niveau 6 au dernier instant. Ben, lundi. Mais en tout cas, c'était une lutte à 3 pour la première place, mais moi j'ai fait un bond de 20 000, puis ça a clos le débat. Ben, au moins, il y avait du mouvement, au moins, c'est ce que j'aimais bien, mais sauf que c'était à shot 2000, quand je suis allé, c'était à shot 2000. Bon, je vais être correct, je me suis dit. Puis je suis là, tu sais, ça fait ça de 2000. Ok, mais moi, quand je te relance, je te lance d'au moins 3000, là, pas juste 2000, là. D'après moi, ils ont eu de la misère un peu à s'améliorer grandement, comme que moi, que je fais d'un coup, là, de même, là. Parce que je me garde toujours une marge de manœuvre. Ok, là, maintenant, la saison est ouverte. Oh! Oh! Le Larry Hivernal, regardez ça! Waouh! En plus, avec 30 % de réduction sur le premier achat. Hey, ça, c'était tout un cadeau. Ça veut dire 30 %, c'est le. C'est parce que le 1 tiers, ça veut dire que ça va valoir 100 rubis. Oh, yoyoy, waouh! Hey, c'est la boîte à pièces! Parmi les choses, qu'est-ce que je pensais qu'est-ce qu'elle allait avoir comme spécialité, c'était soit la boîte à pièces, fleur boomerang ou le pays des cours, c'était fleur de glace que je pensais. La première saison, c'est la première saison. Ok. Comme je vous l'avais dit,
Le Mario Père Noël, lui, il va être là dans la première semaine. Avec son traîneau. Puis on a le Santa aussi qui est à 30% de réduction. Ça veut dire beaucoup de 30% de réduction. C'est pas mal du tout, ça. Donc, la saison des fêtes arrive avec la flèche festive, ok. La saison est ouverte. Bon, allons voir qu'est-ce que ça nous dit. Le circuit Mont Festif qui apparaît dans la saison des fêtes de Mario Kart est maintenant également disponible. Je le savais déjà parce que moi je suis les chefs de Kart 96, de Kart Life, puis de la course 65, puis même ça l'est arrivé à certaines occasions aussi. Ça en dit 3000 là, puis c'était inévitable qu'il allait sûrement parler, l'un de ces quatre joueurs-là, il allait parler d'aussi les pas les on, je pense que ça s'appelle des fast-pass, mais genre comme du contenu additionnel pour Mario Kart 8, puis il y avait mon festif dedans, fait que c'est normal qu'elle allait revenir aussi là en même temps. Je le savais déjà. De pas circuit additionnel, profiter du circuit mon festif dans Mario Kart Tour et Mario Kart 8 Deluxe, oui, d'accord. Un Père Noël et son circuit ultra favori GBA Pays Neigeux. Moi j'avais pensé peut-être Île des Neiges, mais c'est Pays Neigeux qui sont être nommés en français pour le nouveau circuit. Il est de la première partie de la saison. Ok. Larry Hivernal et son circuit ultra favori virage avec quoi être 3 SI. Ah, ça veut dire que le 3 SI il revient aussi. Ah, c'est merveilleux. Ça veut dire que tous les virages à Vancouver, je pourrais tout aller rechercher des pourcentages là-dedans. Surtout dans le 3 puis dans le 1 que j'ai pas eu le temps de finir la dernière fois. C'est pour ça que je voulais finir avant Escapade à New York, puis aussi finir ce que j'avais pas terminé dans Road Trip à Los Angeles, parce que je savais que Virus Vancouver allait revenir durant le temps de l'hiver. C'était sûr et certain qu'elle allait revenir. Je le savais. Je savais qu'elle allait revenir. C'est pour ça que j'ai décidé de skipper ça, vu que j'avais pas le temps d'aller écarter supplémentaires pour augmenter mon niveau de joueur. Pour virage à Vancouver. Les éléments de la sélection en lumière mentionnés ci-dessus sont en promotion. Le premier choix de la saison aussi. D'accord. Au moins, c'est le fun. Il y a plusieurs trucs en réduction pour le temps des fêtes. C'est bon. Ok, terminé tous les défis premium plus pour qu'ils voient ça. On sait déjà. Ok, terminé au sommet du classement des coupes. Classé de la première partie de la saison pour obtenir la tenue Mirin. Ah oui, en passant, ben ma prédiction pour savoir où ce que Larry va être, ben finalement, ben il n'y a aucune des deux réponses. Il va être dans la boutique en lumière de la semaine. C'est ça qui va arriver. De la saison des fêtes. Puis c'est la tenue Mirren qui se trouve à être le nouveau costume ultra rare. Dans les classements hebdomadaires avec Yoshi Rose et le nouveau cut Turbo Yoshi Rose, ne pas l'oublier. Il est nouveau le Turbo Yoshi Rose. Il y a juste moi qui l'ai mentionné dans toute la gang. Il n'y a personne qui s'en est rendu compte. Mais par contre, sauf que c'est quelque chose que je me suis pas rendu compte, c'est parce que j'ai pas vu Virage à Vancouver. Je ne l'ai pas remarqué. Je suis peut-être le seul qui n'a pas remarqué Virage à Vancouver. Mais j'ai mentionné toutes les autres courses comme. Sommet des cas, il y avait quoi? Pays Neigeux, dans le fond Snowland. Il y avait quoi d'autre? Je m'en rappelle pas, mais il y avait mon festif aussi. Donc, les cadeaux que vous pouvez obtenir grâce au classement. Okay. Donc, c'est Harmonie de feu. Ah! Ah oui, Harmonie de feu pour la première fois. Oh, ben, coudonc. Hey, je sais pas. Vous vous souvenez comment il y avait une nouvelle coupe qui était apparue, c'était la coupe Bildoza, il y a peut-être deux ou trois saisons de ça. Avec mon. Il y avait la montagne Choco SIA là. Je vous en rappelais. Mais là, on a une nouvelle coupe encore. Est-ce que ça veut-tu dire que. Genre qu'à un moment donné, il va y avoir d'autres nouvelles coupes qui vont apparaître. Peut-être une coupe de Yoshi Rain ou je sais pas, la coupe de Yoshi Kangaroo, mais la coupe de Harmonie de glace. Pourquoi pas? Vu que la coupe Harmonie de feu. Wow! Et on va obtenir du haut traîneau doré.
Pour ceux qui ont la passe d'or avec deux tuyaux d'or et ceux qui n'ont pas la passe, ben, ils auront des rubis, de l'argent et un tuyau vert. Et pour le top 10 de 100 et 1000, c'est ça qu'on va obtenir. Ok. Comme celui-là, d'accord. Puis maintenant, il est dedans. Ok. Dans la section du jour pendant la saison des fêtes, d'accord. C'est dans la section du jour pour les pièces, dans le fond. Les personnes qui vont apparaître. Dans le fond, c'est à peu près les mêmes, je pense, à chaque fois. Fait que, pas grand-chose qui change là. Bon. Les événements festifs vont se téléporter dans. Ok, les événements festifs commencent et auront lieu pendant deux saisons consécutives. Ça, c'était à prévoir avec la saison des fêtes. Puis on obtient Peach Rose Dorée pour compléter la carte défi, la carte de défi de la saison. La première partie. Placez-vous au sommet du classement de la saison qui sont la fête, vous savez déjà. Des sapins ont été placés sur certains circuits. Comme on avait vu pour Snowland, j'avais vu un sapin. Entouré d'une patinoire. Extérieur. Ok. Touchez des sapins avec des objets pour obtenir des jetons d'événement. Vous pourrez les échanger ensuite contre des objets dans la boutique de jetons. Gardez l'œil ouvert et visez tous les sapins pour amasser plein de jetons d'événements. Ah ouais. C'est rendu qu'on doit frapper on doit frapper des sapins pour avoir des jetons ou ben il faut viser nos adversaires. C'est quoi cette affaire là? Bon, mini turbo plus. J'ai soif. Bon, ok. Oh, c'est un nouveau cœur. Ça, je l'avais pas marqué. Oh, ok. Il y a Alpe DK SCA. Non, en fait, c'est pas Sommet DK, c'est Alpe DK. D'accord. Dans le fond, ça sert à la même chose de toute façon. Mon glacé à Damoni qu'on avait vu. Mon festif SCA et virage à Vancouver 2A. Avec les circuits débloqués, c'est compte pour ce nouveau traîneau doré qui est vraiment beau. Pays neigeux, il est là. D'accord, c'est bon, c'est bon. Après ça, y a-t-il autre chose? Deux tuyaux d'or. Ok. Étiquette de pilote. Deux fois des étiquettes de capacité des pilotes rares. Des pilotes rares avec cartes et ailes aussi. Puis à la fin, ça va être des ailes. En prime. Ok, c'est bon ça. Bon, on va aller voir les 4 défis. Puis après ça, on ira voir dans la boutique. Est-ce que vous connaissez la suite? Eh bien, je vais l'acheter le Larry. C'est clair. Je vais acheter le Larry hivernal. C'est clair ça. Pour ça, c'était pour débuter une saison, participer à 10 courses. Collecter un total de 300 pièces dans les courses et batailles. Donc les deux, ok. Éclater 5 ballons en bataille. Ok. Éclater 10 ballons en bataille. Ok, ça va être facile ça. Mais, ok, 20. Jouer au mode multijoueur, d'accord. Décrocher au moins 3 fois la 3e place en multijoueur. Puis il va dire 5 après. Ah, 15 fois. Quoi? 15 fois. Non, t'es pas sérieux. Tu veux me faire jouer 15 fois. Puis essayer de gagner la 3e place au moins 3 fois. Bon, ok, ça va être correct parce que. De toute façon, il faut que j'améliore la jauge pour les tuyaux pour les tirs de tuyaux en multijoueur. Je peux aller jusqu'à 33, fait que c'est correct. C'est correct 15 fois. Donc, je vais aller voir les défis premium, qu'est-ce qui me réserve à l'avenir. Bon, qu'est-ce qu'il dit ici? Faites-moi 5 fois avec une carapace verte. Faites-moi 5 fois avec... Pardon. Faites-moi 3 fois avec un bonbon. Vas-y, 20 figures. Ça, c'est débuter une saison pour pas besoin de faire le topo là-dessus. C'est tout ça à chaque saison. Il y en a toujours un qui est débloqué, c'est les rubis. Effectuer 50 minutes turbo.
décrocher 3 fois la première place, décrocher 5 fois la première place et 10 fois. Ici, faites mousse 10 fois avec une carapace verte. Faites mousse 10 fois avec une banane, puis l'autre, ça va être le bobon. Non, utilisez 10 fois un champi turbo. OK. Réalisez 50 figures. Ensuite, pour ça ici, effectuez 100 mini turbo. Puis après ça, décrochez 5 fois la première place, 10 et 15. L'autre, ça va être 10, 15, 20 comme d'habitude. Et pour le reste, ça va être quoi? Faites mousse 10 fois avec une carapace rouge. L'autre, ça va être quoi? Faites mousse 20 fois avec une banane cette fois-ci. OK. Faites mousse 5 fois avec un bobon. OK, d'accord. Réalisez 100 figures. Effectuez 150 minutes turbo. Ça veut dire que si vous faites 15 turbo en moyenne par course, en 10 courses, vous avez fini ce défi. Pour avoir comme récompense 2 tickets ultra rares de capacité d'aile. Voilà. Maintenant, on va voir la bonne boutique. Eh bien, j'ai 103, Seigneur. Je peux peut-être acheter. Je peux peut-être acheter. Non. Ah, ben là, crime, j'ai. Il manque juste 2 rubis pour l'obtenir. Ah, ben, coudonc. Je pensais que c'était 100 rubis. Non, c'est 105. Ok, maintenant, on a quoi? La flèche festive et dans la saison des fêtes. Tigidou. Wow, il est-tu beau? On dépasse ce beau plus comme spécialité. Et 6 circuits 3 favoris pour commencer, c'est super bon ça. Mon festif A, pic des cas SI. Ah, il a le pic des cas SI dans le fin de confondre. C'est ça que je voulais dire. Par sommet des cas, c'est pic des cas. Vigas avant un couvert de SI. Mais je m'attends. Mais c'est vrai aussi que je m'y attendais peut-être pas à l'autre, mais ça se pouvait que les arts des cas étaient là aussi. Virage à Vancouver 2 ici, dans le fond, il n'y a pas le lac Vanille. Pays neigeux, mon festif ici, pays neigeux ici, en cause des 3 virages à Vancouver, vu qu'ils ont annoncé les 3. Vu qu'ils ont annoncé le virage 3 à Vancouver 3 ici, c'est sûr que le Vancouver 1, il est là aussi, fait que c'est ça. Ah, non, il est là. Oh, il est là, le lac Vanille 2. Oh mon Dieu, il est là. Regardez, niveau 6, il débloque la venue de ici. Oh mon Dieu! Ça, c'est merveilleux. Ok. Maintenant, il n'y a pas autre chose. Non, rien. Pas de rabais ici. Ça reste toujours la même chose. Il n'y a pas de rabais. Tu rentres dans des fêtes pour ça, mais il y a des rabais pour aller acheter des beaux pilotes. Surtout le tout nouveau, Larry Hivernal, que c'est sûr que le monde va aller tout acheter. Allez-y, profitez-en parce que quand est-ce la prochaine fois il va être de retour? On ne le sait pas. Quand même, Seigneur, le premier cible, Seigneur, pourquoi pas en profiter? Mais c'est sûr que ça aurait été fleur de glace, peut-être que j'aurais hésité à l'acheter. C'est clair que je m'en vais le chercher. Bon, avant, on va aller voir Mario Père Noël. Qu'est-ce qu'il a reçu comme nouveau circuit? Ben, on sait qu'on déjà il a annoncé le pays neigeux. Dans le fond, c'est le seul qui a été rajouté. On sait qu'il y a déjà peut-être un mont festif à quelque part. Ouais, le SI qu'il a. D'accord. Il y a un pays neigeux SIA qui a été rajouté comme circuit favori pour lui. OK. Puis allons voir le beau Larry Hivernal. Wow! Ah ouais, festival des pièces. Youpi, c'est la joie. Attends, je vais voir quelque chose. Larry Hivernal débarque dans une tenue parfaite pour l'hiver. Bon, c'est ça avec une belle tuque, là, puis wouhou! Ça brille. Avec plein de flocons. Oh, c'est des beaux petits flocons. C'est bien beau, ça. OK. Oh, 6 circuits 3 favoris pour commencer, c'est très bon. Oh, la route de glace est là. Oh, yes, sir. Mon festif ici. Virage à Vancouver 3. Virage à Vancouver 3 ici. Pays neigeux. Et pays neigeux, et s'il y a qui a comme circuit 3 favoris pour commencer, c'est super, super bon avec les circuits à débloquer si compte. Il y a Lac Vanille 2. Waouh! Ah, il y a pas mal de circuits cette saison. Il y en a au moins 8. Seigneur, il y a 8 circuits différents. Oh, là, Seigneur, c'est beaucoup ça. Alors, au nombre de circuits qu'il y a cette saison, d'après moi, il y aura très peu de doublons là. Il y aura très, 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 très peu de doublons, je pense.
turbo-traîneau. Bon. Qu'est-ce qu'il a, lui? Non, il n'y a rien qui est ajouté pour ce... OK, il n'y a rien qui est ajouté pour ça. Non, il n'y a absolument rien. Non, il n'y a absolument rien pour le turbo-traîneau. Mais il est à rabais à 30%, donc il va à 70 pour le moment. Êtes-vous sérieux, là? Avez-vous vu ça? Le Luigi Chef est dans ma sélection du jour en lumière. Mais voyons donc, c'est quoi qui se passe ici. C'est un personnage récent, là, qui est apparu tout juste au début de la nouvelle mécanique. Est-ce que ça assinue peut-être qu'il y a peut-être une chance, durant le temps des fêtes, que l'un de nous pourrait obtenir Mario Roi? Ou peut-être Bulldozer d'or? Qui sait? Qui sait? Parce que regardez ça, il y a Luigi Chef qui est là. Il y a eu Luigi Chevalier. Luigi Chevalier au moins 3-4 fois dans la sélection en lumière la saison dernière. Oh, il y a Pays Neigeux. Ok. Ça veut dire qu'il est dans Pays Neigeux. D'accord. Nice. Puis Pays Neigeux est ici. Et Pays Neigeux est ici pour ce qui est favori pour lui. Les deux. Ok. Ah, tiens, regardez ça. C'est le Royal Cowboy. Yeehaw! Non, rien d'ajouté ici. Dans ce qui est favori maintenant, non, rien du tout. Mais y a-tu quand même quelque chose là-dedans pour lui? Il y a le mont festif, il est dans le mont festif. Au moins, il est là dans le circuit très favori. Ah oui, puis je Yucatan. Ok. D'après moi, on va voir le dojo ninja dans deux saisons, dans la saison d'après, ben, dans la même saison probablement, dans une... en fait, je vous dis peut-être dans deux semaines, ça va être ça qui va arriver. Bon, je vois rien de spécial ici. Ah, il y a Pays Neigeux ici comme circuit ultra favori pour Peach Yucatan. Ils ont rajouté deux nouveaux circuits, puis ils ont rajouté Jardin Peach, puis Jardin Peach A pour... Bon, au moins, j'en connais un qui va être content. Que Peach Yucatan dans ces deux circuits-là. Ok. Puis circuit 3 favori, rien. Mais il y avait Jardin Peach SIA comme circuit favori pour Peach Yucatan. La saison dernière. Et Toadette Orivrière. Tiens, Mascas Ninja Rose. Tiens. Rebonjour. Qu'est-ce que t'as, toi, comme nouveauté? Oh. Il y a quand même mis pique des cas SIA. Ok, nice. Ensuite, nous avons quoi dans le circuit favori? Non, il n'y a absolument rien. Oui, il y a Vélez avant qu'il 3, mais ça, c'est, il y a peut-être 3 saisons de ça, je pense. Bon, ok. Il y a ça, c'est ça. Oh, le beau petit cadeau. Les paquets cadeaux. Waouh! Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour toi? Non. Mais il est tout dans les monts festifs, à part le mont festif. Comme circuit très favori, là, comme on pourrait dire. Puis il n'est pas débloquable non plus, fait que. Peut-être dans le circuit favori. Ouais, c'est ça. Dans le circuit favori, il y a le mont festif pour lui, puis. Puis pour les autres versions du mont festif, ben. Tout circuit 3 favori pour lui. Ok, nice. Bon, maintenant, allons voir le Tunimi Père Noël que j'aimerais acheter. Que je pourrais acheter maintenant, mais. Compte tenu des circonstances, on va voir. On va voir qu'est-ce que ça me réserve le classement hebdomadaire. Tout va dépendre de ça. Qu'est-ce que je vais avoir comme option. À tout 7. Oh, lui, il y en a juste 3 circuits, 3 favoris. Ok. Pas beaucoup, ça, pour commencer. Mon festif A, APDK ici, Pays Neigeux A. D'après moi, ils ne veulent pas que ça soit trop avantageux pour tout le monde. C'est pour ça qu'ils en ont mis 3, probablement. Ok. Il y a quand même 7 circuits, 3 favoris avec le Maison de l'eau. Au moins, quand même, il y a ça, circuit favori. Il y en a quand même beaucoup. Ok, d'accord. Puis on a le Torpitope. Attends, je veux voir le Torpitope, qu'est-ce qu'il a reçu comme de nouveau circuit. Ah, il a reçu Pic DK SIA. Juste ça. Rien de moins. Mais il y a 3 circuits favoris par contre. Virage avant quoi 3SI, Pic DK A et Pic DK SI. D'accord, puis on a aussi le Tenumi Château, celui du Frère Marteau, Boulouf. De crème à glace,
Gamba, le roi Bou, Mi-Chef, puis celui de Donkey Kong. Ok. Oh, regardez ça. Wow, je pourrais obtenir ce beau ballon-là que j'ai pas. Choisissez votre ballon préféré quand joignez la bataille. Oh, le ballon bloc. Youhou. Avec un ticket de tout ça. Trois fois, lui, c'est deux, ça veut dire? Oui, c'est deux. Ah, c'est pas beaucoup, ça, qu'il y a dans la boutique. Donc, j'aurais pensé qu'il y aurait eu mieux. Donc, j'ai plein de tickets du jour aujourd'hui. J'ai un de chaque. Ah, ouais, donc, je vais aller chercher ça. Je vais en profiter. Un tout débattu. Ticket de point d'aide, ticket de point de cas, ticket de point d'aide. Puis là, j'ai les trois ce matin. Ah, ben, c'est bon, ça. Ah, très bon. Ok. Puis qu'est-ce que j'ai ici? Ah, un ticket de limite de points de pilote. Puis des tickets. Un ticket de chaque de capacité de travail. Ok. De chaque type. D'accord. Donc c'est tout. Qu'est-ce que j'ai? Et évidemment, j'ai complété un objectif. Ouais, obtenir un objectif dans la session du jour. D'accord. Effectuer 5 départs de turbo. Faites mouche 3 fois avec une carapace verte. Décrocher 2 fois de suite la première place en catégorie sans cesser ou supérieure. Décrocher au moins la troisième place 30 fois. Toquer 30 fois. Renverser vos adversaires avec un Minga Champi. Planer sur une distance totale de 5000 mètres. Renverser 5 bonhommes de neige. Autrement dit, aller dans l'Abdeka. C'est le meilleur moyen pour détruire plein de. Détruire au moins 2 bonhommes de neige par tour. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Bon, dans la saison multijoueur, qu'est-ce que j'ai effectué 10 figures en mode multijoueur. Effectué 3 départs turbo en mode multijoueur. Faites mouche 3 fois avec une carapace vite en mode multijoueur. Jouer 3 fois. 5 et 10. Là, ici, c'est décrocher au moins la troisième place. Une fois, trois fois et cinq fois. Aussi simple que ça pour obtenir des super étoiles. Kratos. Là, c'est des 4 aujourd'hui pour cette saison-ci pour défi de score total. Bon. Puis défi. Alors, qu'est-ce que j'ai? Effectuer un combo x 30 ou plus. Faites mousse 10 fois avec une carapace rouge. Décrocher la première place 3 fois de suite en catégorie 100 ou supérieur. Ok. Utiliser un ticket de limite de points. D'accord. Activer 5 fois la mode frénésie avec un pilote à chapeau. Donc, ça peut être n'importe quel pilote à chapeau. Ça peut être touché qu'un kangourou vu qu'il y a un chapeau aussi. Hein? Ça peut être Mario, Luigi. Tous ceux qui ont des chapeaux. Même Mario Aviator, ça marche aussi. Même si c'est un casse aviateur, c'est considéré comme un chapeau aussi. Obtenez un score d'au moins 10 000 sur 5 courses. Renverser un adversaire en mode frénésie. Obtenez un score total d'au moins 20 000 dans la coupe Harmonie. Toucher un sapin avec un objet 5 fois. Puis je vais être bientôt rendu à la Ligue 84 pour 5 rubis de plus. Récupérez-les dans les courses. Donc, dans le fond, ça n'a pas changé. Dans le fond, on récupère les pièces à jetons dans les courses. Comme dans la saison dernière, deux saisons de suite, c'est rare, ça arrive. Bon, je pense que c'est tout pour le contenu, je pense. Oui, je pense que c'est assez tout. Y a-t-il le défi Produce Cart? Non. Bon, je vais jouer de tenue Pierre Noël pour aujourd'hui dans les Abdeka. Ok, ah, oh, ça y est, j'ai oublié que j'étais à 200. Bon, c'est pas grave, je vais jouer à 200. Mais ça devrait être pas si pire à 200 là-dedans. Bon, en fait, non, c'est vrai, avec les virages demain, je vais avoir de la misère, vu que j'utilise pas les dérapages. Manuel.
Ça va bien mal. Bon, ok. Moi, au moins, c'est pas si pire que me mettais entre la deuxième et la troisième place. J'ai pas demandé mieux que ça, là. Caline, ça peut pas. J'ai manqué ça. Bon, ok, c'est pas grave. Ah, c'était presque un turkey. C'était presque un turkey pour le mi-chef. Aïe, aïe, aïe. Là, c'était drôle. 1-2, il manquait juste la troisième personne pour poigner l'autre banane. C'était drôle. À tête devant la ligne d'arrivée. Est-ce que je viens de recevoir mes rubis qui me manquaient? Si je viens de recevoir 3 rubis. Ben voyons donc. 3 rubis, yay! Bon, et bien, Larry, et bien, tu vas venir ici tout de suite. Ah, ben, pas pire quand même. Un beau petit bruit. Bon, voilà, il est acheté. Bon, ben, sur ça, tout le monde, je vous souhaite à tous une bonne journée et on se reverra pour le classement hebdomadaire très bientôt.